Bonjour, une petite balade en forêt, est-ce que ça vous dit? Oui? Ok, eh bien écoutez, suivez-moi, on y va. En entrant dans le village, je ne savais pas que j'allais marcher sur les pas de l'illustre préfet Louis Lépine qui y résida. Cet homme, qui a révolutionné la police parisienne, est à l'origine du fameux concours d'invention Lépine. Mais aujourd'hui, j'ai rendez-vous à la mairie. Bonjour Monsieur Joandel, est-ce que vous pouvez nous présenter quand même un petit peu ce village ? Le village est à 900 mètres d'altitude et son point le plus bas est à 600 mètres et son point culminant est à 1600, c'est le point culminant de la Loire avec Pierre-sur-Aude. Mais il y a 3000 hectares, donc 1000 hectares de forêt, 1000 hectares de pâturage et 1000 hectares de ce qu'on appelle les hautes chaumes qui sont la partie sommitale des monts du Forêt, avec ces paysages qui ressemblent à l'Écosse ou à l'Irlande. Les monuments les plus anciens remontent au XIe siècle. C'est par exemple le cœur de l'église ou la porte fortifiée qui est à côté aujourd'hui du musée de la Fourme des Traditions. L'église est classée monument historique, de même que la porte fortifiée. Donc il y avait un château fort, avec, on voit encore aujourd'hui dans le village des traces du chemin de ronde. Qui fortifiait le village. Et l'église actuelle a été construite au début du XVIe siècle, en 1500-1502. On a construit le clocher qu'on voit aujourd'hui. Donc la particularité de cette église, c'est d'avoir deux styles architecturaux. Le style roman pour le cœur de l'église, qui est la trace de l'ancien château fort, et la nef, qui elle, est gothique. Aujourd'hui, Sauvin vit de quoi ? L'économie du village repose sur l'élevage laitier, avec des fermes qui produisent du lait pour la fabrication de la fourme. On a dans le secteur deux laiteries importantes, plus une laiterie artisanale un peu moins importante, mais qui progresse. Et puis, fait nouveau depuis quelques années seulement, des fermes qui fabriquent une partie de leur lait en fourme, donc voilà, production fermière de fourme. Donc la fourme est vraiment le cœur de l'économie du village. Il y a une centaine d'années, il n'y avait pas ces laiteries. Les laiteries, elles sont apparues un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, petit à petit. Mais par contre, il y avait à Sauvin plusieurs marchands de fourmes, c'est-à-dire des personnes qui achetaient les fourmes produites dans les jasseries sur les Hautes-Chaumes, qui les affinaient souvent au village. Ils avaient des caves, ils affinaient les fourmes et ils les revendaient pendant l'hiver sur le marché de Montbrison. Est-ce qu'il y a des commerces ? Est-ce qu'il y a beaucoup de commerces ici ? Alors, beaucoup non, mais nous avons encore une activité commerciale. Nous avons un restaurant d'abord, au centre du village, là, qui remplit, qui est à ses côtés. Et on a aussi deux autres commerces, épicerie, boulangerie. Voilà. Donc on peut dire que Sauvin, c'est un village où il fait bon vivre. J'ai oublié de vous dire, peut-être le plus important, il y a 380 habitants. 380 habitants, c'est une population qu'on aimerait voir un petit peu grossir, mais bon, elle se maintient là depuis quelques années. Et sinon, alors, en venant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de marcheurs, de gens qui venaient ici. Donc est-ce que c'est un départ connu de randonnée et où on va de Sauvin ? Alors déjà, sur Sauvin, on peut faire plein de randonnées à l'intérieur de la commune. Les Hautes-Chaumes sont un parcours extraordinaire pour la randonnée, parce que là, il y a beaucoup d'espace. On a aussi une partie de la commune qui est très prisée par les randonneurs, c'est la vallée de Chorsin, avec une cascade très, très intéressante à voir. Les randonneurs sont nombreux, de plus en plus nombreux, je dirais, pour venir sur les sentiers de Sauvin. Très bien, mais écoutez, vous nous avez fait une présentation peut-être pas exhaustive, mais enfin déjà beaucoup de choses. Et ça donne envie effectivement de venir vous rencontrer de nouveau et pourquoi pas venir s'installer à Sauvin en tout cas. Bien, Monsieur Goud, bonjour. Vous êtes donc le président du musée de la fourme et des traditions à Sauvin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le musée ?
Le musée de la faune et des traditions de Sauvin représente une superficie de 800 mètres carrés. Donc on a 12 thèmes différents d'exposition qui sont principalement axés sur la vie pastorale avec la fabrication du fromage et aussi les métiers du bois et les métiers touchant l'agriculture. On a une petite salle vidéo où on retrace la fabrication de la fourme autrefois dans les jasseries. Alors c'est un petit film qui dure 7 à 8 minutes, qui représente toutes les phases de fabrication du fromage. Et on a aussi une autre salle qui retrace tous les objets qui servent à fabriquer cette fameuse fourme, et avec une explication aussi sur comment est fait le fromage aujourd'hui. Alors le musée s'enrichit principalement avec les dons des gens de la commune ou d'ailleurs. Tout ce qu'on voit dans le musée pratiquement a été donné. Pour fonctionner, l'association a un groupe de décideurs qui rejoint une vingtaine de personnes. Mais nous faisons appel aussi à toute la population de Sauvin et donc on se retrouve sur la saison avec environ 90 bénévoles. Il n'est pas ouvert toute l'année tout de même, est-ce que vous avez une amplitude de... Le créneau est du 1er mai au 31 octobre, surtout en week-end, et juillet-août ouvert tous les jours.